Salut à toute l'équipe de Reborn et aux Reborners. Je sais pas si on peut vous appeler comme ça. Je sais pas si Reborn a pensé à... Reborners, c'est... Ouais, bon, c'est moyen, je sais pas trop. Ouais, je m'appelle Romain et aujourd'hui, je vais vous montrer une petite routine. Ça vous tente ? Alors, ça se fait très simplement avec un jeu de cartes. Ça pourrait être mélangé par le spectateur que vous êtes, parce que je pense que vous pourriez mélanger dans la joie et dans la bonne humeur. Je sais que vous le feriez magnifiquement bien. Et je vais avoir besoin de 3 personnes, si ça ne les embête pas, parce que là, j'ai pas mes spectateurs habituels. Donc, je vais le faire avec quelques spectateurs ici présents. Toi, t'es OK? Ouais, derrière ton écran, je communique. Hein. Parfait, super. Très spontané, j'adore. Toi. Et toi aussi, très bien. On a du spontané, c'est bien. J'aime. Vous allez choisir 3 cartes. Alors, je vais le faire concrètement, mais vous, dans votre esprit, vous imaginez que vous le faites. Et de fait, ce sera la même chose. Alors, premier spectateur, vas-y, parfait. Deuxième, pardon, nickel. Et troisième, parfait. Ça me plaît. Hop, hop, hop. 3 cartes choisies par les 3 spectateurs. On va prendre connaissance de ces cartes-là. Tu la regardes, la première, premier spectateur, mais tu ne la regardes que pour toi. Sauf si tu as des potes avec toi. Tu peux avoir des amis, tu as le droit. Tu n'as pas... Peut-être que tu as des amis. Ça reste entre nous. Ça te va? Très bien. Spectateur numéro 2 retient sa carte. Parfait, super, elle te convient, nickel, très bien. Et spectateur numéro 3, on regarde, top, tu la retiens juste pour toi, les autres ne regardaient pas, parfait, super. 3 cartes choisies. Bon, tout ça c'était juste pour vous faire chier, parce qu'en réalité on va montrer les cartes. Bah oui, genre, j'aime bien emmerder les spectateurs. On a donc le 6 de cœur, alors elle pourrait être signée, hein, je rappelle, le 6 de trèfle et le 9 de pique, qui pourrait être signé, c'est important. Et je vais les mettre de côté ici. Donc, ouais, très bien. Parfait, ça vous va? Ah, j'aurais besoin d'un quatrième spectateur. Tiens, changeons. Spectatrice. Bah, spontanéité, top. Tu vas me dire stop quand tu as envie. Je passe les cartes comme ça et tu me dis stop. D'accord, quand tu veux. Stop, ok, très bien. Ici, ça te va? Tu veux pas changer? Parfait. Tu tombes sur Dame de Carreau. Très belle carte. J'aime cette carte. Je l'aime tellement que je l'ai même tatoué ici, c'est pour te dire l'index, donc c'est une carte que j'aime bien, donc c'est intéressant, c'est pas mal. On va essayer de jouer avec ça. Dame de carreau, avec nos cartes choisies. Je veux juste ça, regarde. Hop, comme ça. Ah, c'est mouvement pénétrant. Je vais pénétrer, voilà, tu vois, tu fais pénétrer la dame de carreau. Ce que j'aime bien, c'est marrant, hein, tu fais pénétrer la dame de carreau ici. Tu veux refaire? On en fait. Hop. Pénétration numéro 2. Tu vois, comme ça, t'as 3. Alors, on va se faire la pénétration numéro 3. Elle est plus directe, celle-là. Mais je l'aime bien, parce qu'elle est plus directe. Et instantanément, clac, tu fais tout pénétrer et t'as que des dames de carreau. Ce que j'aime bien, parce que je t'ai dit, j'aime bien la dame de carreau. Ça me plaît, moi. À partir de là, on n'a plus les cartes choisies. C'est pas vrai, parce qu'elles sont parties. Parce qu'il y a des dames de carreau à la place. Mais elles sont parties dans le jeu, en réalité. Et si tu fais juste ça, clac, c'est un pénétrant à l'envers. Parce que l'idée, ouais. Parce qu'automatiquement, clac, ce qui est génial, c'est que tu te retrouves avec des cartes sandwichées comme ça. Collectées, si je préfère le terme collectées, entre les dames. Question simple, on se rappelle des cartes que vous aviez prises. Première, deuxième et troisième. Vraiment les 3 cartes collectées. Ça vous plaît? Vous êtes insatiable, je crois que vous en voulez un petit peu plus. Un peu plus, ok. Parce que le problème, en fait, c'est quand les cartes choisies sont à l'intérieur de la collectation, si je puis dire, elles deviennent un peu folles. Hein, c'est... Ouais, je vous montre. Je les pose comme ça de côté, hein. Vraiment, ok. Et on va essayer de jouer avec ça. Ça vous dit? Ok. Deuxième. Et troisième carte, ici. Ce qui fait qu'ici, on se retrouve avec nos dames, qui sont grâce à la demoiselle, hein, parce que c'est elle qui a fait que les cartes sont là. C'est pas mal, j'aime bien. Et on va essayer de faire un truc de fou. Alors, je garde les dames de côté et on va utiliser ça pour la suite. Regarde bien. Les cartes choisies. Alors, le 6 de trèfle, c'est la carte de... C'est ça, ouais. Tu passes juste le 6 de trèfle au-dessus, comme ça. Et là, ce qui est génial, c'est que tu te retrouves avec une dame. Mais que ça pénètre totalement. Tu aimes quand ça pénètre, hein, comme ça. Vraiment, hein, totalement. C'est-à-dire qu'on n'a plus de cartes choisies. Juste des dames de carreau. C'est bien, hein. Après, si tu veux, on peut revenir en arrière. Mais pas totalement. Et si tu reviens en arrière, clac, tu fais revenir le collectage. Tu vois, de tout à l'heure, parce que ça collectait, tu vois.
Mais ce qui est bizarre, bah oui, parce qu'on a fait quand même quelque chose avant, je t'ai dit qu'on n'est pas remonté totalement en arrière, c'est qu'en réalité, si tu regardes, bah t'as que des dames de carreau. Et là, ça c'est toujours embêtant, parce que c'était ce qui se passait tout à l'heure, en fait. Tu gardes le côté dame de carreau, partout. Mais vraiment, hein, dame de carreau, partout. Alors, c'est qu'une illusion, ça. Je dis toute une question de point de vue et de perception. Je vous ai amené la perception de voir que des dames de carreau, mais il n'y a jamais eu que des dames de carreau. Parce que si tu reviens au-dessus et que tu fais juste ça, clac, la perception s'évanouit. Et automatiquement, quand tu regardes, ce qui est génial, c'est que tu as les cartes choisies, sandwichées entre les dames de carreau. Tu peux examiner tout, bien sûr, dans la joie et dans la bonne humeur. Et j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une très très belle soirée. Je fais plein de bisous à toute l'équipe de Reborn. Je les remercie pour justement avoir permis cette petite incartade. Et puis plein de bisous aux Reborners parce que je vais vous appeler les Reborners là juste pour vous embêter. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Salut!